Bonjour et bienvenue sur les chemins de la République pour un nouvel épisode des colporteurs du web, un épisode qui va nous amener à voyager très très loin en arrière dans le temps en compagnie de Nathalie Rouquayrol qui est préhistorienne et avec qui nous allons faire le lien entre préhistoire et racisme. Préhistoire et racisme, ce sont deux éléments qu'on ne rapprocherait pas spontanément. Et pourtant, depuis plusieurs siècles, préhistoriens, paléontologues se penchent sur comment et pourquoi la préhistoire peut nous éclairer sur ce sujet. Alors c'est vrai qu'à partir du XVIIIe siècle, les savants se sont mis à classer les êtres vivants en les hiérarchisant, et des moins évolués aux plus évolués. Et cette approche a entraîné l'émergence d'un concept aux conséquences dramatiques. L'existence d'espèces supposées inférieures et supérieures, celle de l'homme étant évidemment supérieure, et celle de l'homme blanc supérieure à toutes. Et cette notion de race, nous allons le voir au cours de l'entretien avec Nathalie Rouquayrol, a amené dans notre histoire, au pire moment de notre histoire, justement. Nathalie Rouquayrol, vous êtes diplômée de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez mené la rénovation du musée de l'Aurignacien, où vous travaillez encore. Vous avez été également experte associée au CNRS, à l'unité mixte de recherche, le laboratoire TRACE, au pluriel, c'est bien ça, entre 2000 et 2016. Et vous êtes surtout spécialisée en histoire de la préhistoire. Oui, merci, c'est ça. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Et merci d'être avec nous, je suis ravie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le musée de l'Aurignacien ? Oui, le musée de l'Aurignacien aujourd'hui est un syndicat mixte. C'est un musée qui existe depuis plus de 40 ans, 50 ans, qui a été très récemment rénové, reconstruit. Il y a un nouveau bâtiment neuf, très beau maintenant. Et c'est sous la forme juridique donc, d'un syndicat mixte présidé par M. Georges Méric, président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Et y participe également la communauté de communes 5C. D'accord, merci. Voilà. Alors, on ne peut pas présenter Nathalie Rouquayrol sans parler de ses nombreuses publications et écrits, parmi lesquels votre dernier livre qui s'intitule « La Vénus de l'Esplugue », qui trône à la bonne place sur la table devant nous. « La Vénus de l'Esplugue », disais-je révélé, que vous avez coécrit avec Fanchmoll. C'est bien ça, chez Locus en 2018. Et vous avez à paraître en mars 2021, début mars, si mes renseignements sont exacts, un ouvrage que vous coécrivez encore une fois avec Jacques Lajousse, L'origine de l'homme, Édouard Larté, dont nous allons parler, de la révolution du singe à Cro-Magnon aux éditions Loubatière. C'est ça, quelques oui. mots sur cet ouvrage et sur Édouard Larté. Ah bien, Édouard Larté est un grand personnage, mal connu. Et justement, ce livre va lui rendre justice. En tout cas, c'est notre vœu. C'est pour ça que nous l'avons écrit. Car sans lui, nous n'aurions pas cette science de la préhistoire dont nous allons parler, ou tout au moins sous une autre forme. Il est un des tout premiers, avec un autre qui s'appelle Jacques Boucher de Perthes, il est un des tout premiers à poser les fondations de cette science qui paraît naturelle aujourd'hui. Et ce n'est pas si vieux, puisque ça se passe au XIXe siècle et c'est précisément notre sujet également. Et nous allons rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Il me reste juste à vous préciser que vous pouvez retrouver Nathalie Rouquayrol sur son site internet, natalierouquayrol.fr, et sur le Facebook qui est consacré plus précisément à la Vénus de l'Esplugue révélée et dont vous allez trouver sur la page d'accueil des colporteurs du web les liens directs pour vous y connecter. Nathalie Rouquayrol, a priori, on ne rapprocherait pas spontanément préhistoire et racisme. Comment, pourquoi la préhistoire peut nous éclairer sur ces sujets? Alors, on va justement remonter à l'aube de la préhistoire. La préhistoire est une science jeune, très récente, et ça paraît aujourd'hui faire partie de notre monde depuis l'éternité, mais pas du tout. En réalité, ça se construit au XIXe siècle, précisément avec Édouard Larté en particulier. Et donc, pour traiter notre sujet, il faut plonger au cœur du XIXe siècle. Et là, on va voir dans quelles conditions, dans quel contexte cette science va naître et grandir. Et précisément, cette parenté dans notre titre,
entre préhistoire et racisme va apparaître au grand jour. Alors justement, cette science de la préhistoire, comment est-ce qu'elle naît et comment se met-on à travailler sur les origines de l'homme ? Alors, on commence à travailler sur les origines de l'homme, mais avant, il a fallu fonder un certain nombre... Enfin, pour en arriver là, il a fallu du travail, si vous voulez. Et puisque nous sommes sur le thème de préhistoire et race, si vous permettez, je vais remonter au 18e, en fait, hein, parce que ça va nous permettre de mieux comprendre. Donc, au fond, c'est comment est apparue la conception moderne de race, si vous voulez, et sur quoi elle s'appuie. Et pour ça, il faut aller au 18e siècle. Et là, effectivement, la préhistoire n'existe pas encore. Mais au 18e siècle, siècle des Lumières, dit-on, l'acception du mot race va changer. Auparavant, c'était la lignée, si vous voulez. On disait la race des rois, la race des seigneurs. Donc ça parlait de lignée familiale, si vous voulez. Et à ce moment-là, au 18e, l'acception va changer et on va transformer, si vous voulez, et ça va devenir une classification des populations humaines de la planète. Et donc c'est là que le racisme va se cristalliser, si vous voulez. Par exemple, c'est aussi l'époque où, au 18e, on va classer le vivant d'une manière générale, c'est l'inné. Vous savez, maintenant, on a une discipline qui s'appelle la systématique et dans laquelle on classe tout le vivant, les plantes, les animaux, etc. Nous sommes homo sapiens. Nous sommes tous homo sapiens. Et ça, c'est une classification qui naît au 18e siècle. Et en même temps, classer, si c'est une classification horizontale, c'est très bien. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. La plante, là, c'est ficus, je ne sais pas quoi. Nous sommes homo sapiens. Le rosier, c'est autre chose. Le chien, le loup, canis, lupus, etc. Pas de problème. Sauf que, à cette classification horizontale, va s'adjoindre, et c'est là où commence le racisme, si vous voulez, une étude, racialisme donc, une étude d'une classification verticale. Et c'est là que commencent les problèmes. Parce que si vous faites une classification verticale, ça veut dire qu'en haut de l'échelle, vous allez en mettre certains, et en bas de l'échelle, vous allez en mettre d'autres. Et c'est infériorisant. Alors, parmi les Lumières, il y en a un... que je vais citer, j'ai pris une citation, mais je crois que vous aussi, vous aviez une citation. Oui, puisque, bon, évidemment, on peut échanger voilà. avant cet entretien. Alors, du coup, vous me donnez l'occasion de citer Voltaire, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Et c'est vrai que la référence à ce fameux siècle des Lumières, on parle parfois du racisme des Lumières, qui a été porté notamment par Voltaire et qui donne à la xénophobie une puissance nouvelle, notamment avec un ouvrage célèbre de Voltaire, qui est son essai sur les mœurs. On peut trouver quelques citations qui donnent une idée de la violence et de la conviction du propos, et ben, nous avons tous les deux eu la même démarche, si ce n'est que nous n'avons pas retenu la même citation, donc, puisque vous me donnez l'occasion. Voltaire écrit « Ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est que la différence sensible des espèces d'hommes qui peuplent les quatre parties connues de notre monde, voilà, et il n'est permis qu'à un aveugle de douter que les blancs, les nègres, les albinos, les otontos, les lapons, les chinois, les américains soient des races entièrement différentes. » Voilà, alors, la seconde citation, si vous voulez, que j'ai retenue, je vais vous la dire de suite. La nature aurait un principe, hein, c'est le mot à tenir. La nature aurait un principe pour différencier, et là je cite, la nature a subordonné ce principe à ses différents degrés de génie et ses caractères des nations qu'on voit si rarement changer. Point. C'est par là que les nègres sont les esclaves des autres hommes. Alors, si vous aviez un doute auparavant, ben là, on ne peut plus en avoir. Bon, on ne va pas incriminer Voltaire plus qu'un autre. C'est vraiment dans l'air du temps aussi, hein, c'est ça. C'est le contexte 18e, mais on voit bien que l'objectif est de dévaloriser certains au profit des autres. Et le cœur du racisme, c'est ça. C'est
c'est pas, je vous incrimine pas pour ce que vous avez fait parce que vous vous êtes mal conduit et vous avez fait des choses moches. Je vous incrimine par ce que vous êtes, par le déterminisme de votre naissance, et vous n'y pouvez rien. Si vous êtes né dans tel pays à tel moment, personne n'y peut rien. Si vous êtes né de telle couleur de peau ou de telle autre, personne n'y peut rien. Si vous avez les yeux bleus ou pas, personne n'y peut rien. Et c'est là où cette discrimination fondamentale est le cœur, à mon avis, du racisme. Bon, il en existe plein, des définitions. Hein. Mais je crois que c'est celle-là qui va au cœur du problème. On vous persécute pour ce contre quoi vous ne pouvez rien. Parce que, justement, c'est le principe de la nature. Là, c'est le déterminisme de la nature. Voilà. Alors, c'est vrai que ce 18e siècle des Lumières connaît, vous l'avez évoqué, la naissance de beaucoup de sciences, de l'émergence de savants, de travaux. Il y a des missions d'exploration également qui permettent d'explorer des territoires nouveaux, de créer des cabinets d'histoire naturelle, des muséums, et donc par là même d'identifier, de classer des organismes, mais également de hiérarchiser finalement ces races. Donc c'est peut-être le moment d'essayer de donner une définition au racialisme et au racisme. Est-ce que vous pouvez essayer de nous éclaircir ces deux notions? Alors, la notion de racisme, je crois que c'est ça. Hein, on ne vous incrimine pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes. Bon, bien sûr, il y en a d'autres. Hein, Patrick Thor, par exemple, a une très belle définition, mais je ne l'ai pas notée. Mais au fond, le cœur du problème, il est là. Après, le racialisme, je dirais que c'est l'étude des prétendues différentes races. Et ça va prendre une ampleur extraordinaire au 19e. Ça a commencé au 18e, puisque en parallèle de ce classement, comme je disais, il y a aussi des gens comme Petrus Camper, par exemple, qui définit, parce que pour faire scientifiquement, il faut trouver des moyens. Alors comment on fait pour classer scientifiquement ? Petrus Camper, suédois, avait trouvé le moyen d'instaurer un angle, l'angle de Camper, c'est-à-dire l'idéal, n'est-ce pas, c'est la statuaire grecque antique, et avec un angle du visage à voilà, 90 degrés, clac, clac, là ça fait 90. Et le pire de l'angle facial, c'est celui du singe, du gorille, par exemple. Donc lui, il a un angle comme ça, faible. Vous voyez, donc l'angle est plus fermé. Donc plus l'angle est fermé, plus c'est catastrophique, en gros, hein, pour simplifier. Parallèlement, vous avez aussi Blumenbach, qui est un savant allemand, qui a commencé à essayer de définir un certain nombre de races. Blanc, rouge, noir, marron, enfin je ne sais plus, jaune, voilà, lui il en a 5. Et puis vous en avez d'autres, voilà. Et petit à petit, on va essayer de définir un certain nombre de races. Et puis on va voir... je vous l'affirme, on va voir qu'on arrive à une impasse. Ça, c'est le 18e, déjà. Voilà. Alors, nous sommes au 18e, si on avance un peu. Mm-hmm. Question qu'on ne peut pas éluder, surtout avec vous, c'est quand et comment commence cette science de la préhistoire. Voilà, c'est ça. Donc, on va franchir le pont du 18e au 19e et on arrive dans le 19e siècle. Et là, ça se fait un peu concomitamment, enfin, à la fin du 18e, mais au début des années du 19e, va s'organiser d'abord la géologie, c'est-à-dire la science de la Terre. On va étudier de manière plus positive, plus scientifique et non plus magique, si vous voulez, les fossiles ne tombent plus du ciel, quoi. Voilà. On va étudier les structures de la Terre, la stratification de la Terre. Ça, c'est la géologie, guet la Terre. Et ensuite, de la géologie va sortir une autre science, la paléontologie, c'est-à-dire l'étude des êtres qui étaient dans la Terre, les fossiles donc. Parce que ce sont ces petits fossiles, ou gros d'ailleurs, qui vont permettre de classer, de donner des époques, de faire la chronologie. Voilà. Donc d'abord la géologie. Ensuite émerge la paléontologie. Cuvier, Georges Cuvier, début du 19e. Et puis c'est magnifique, 1920, vous avez le premier, ce qu'on appelle dinosaure aujourd'hui, le premier dinosaure, Téléosaurus, qui sort de terre, une quantité formidable. C'est magique, enfin c'est un monde qui apparaît sous les yeux des paléontologues. Et on découvre, parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas du tout. Donc c'est un monde merveilleux.
pour info, il faut juste dire que les origines de la Terre, c'est biblique à ce moment-là. Hein. Donc c'est la Genèse, et c'est ça qu'on a dans la tête. Le sens commun, si vous voulez, monsieur tout le monde, c'est ça qu'il a dans la tête. Hein. La naissance de la Terre, c'est ça, et l'apparition de l'humain, c'est ça. Donc c'est ce texte-là, la référence. Et c'est là que va intervenir Édouard Larté. Voilà. Donc, jeune avocat, il a 33 ans, quand il s'intéresse aux fossiles qu'il y a autour de chez lui, c'est un Gersois. Il est un peu au sud d'Auch, là, à Ornezans et Issan. Et il fouille une colline qui s'avère absolument un site extraordinaire, Sansan, la colline de Sansan. Et là, il accumule, jour après jour, année après année, des découvertes qui stupéfient le monde scientifique du moment, et en particulier à Paris, puisque c'est à peu près la seule référence, c'est le Muséum de Paris. Et les professeurs du Muséum de Paris sont stupéfaits de ce qui sort de cette colline. Et un jour, au milieu de tous ces animaux extravagants qu'il sort, des monstres, des dinotériums, c'est un espèce d'éléphant qui fait 4,50 m de haut, enfin, des trucs fabuleux. Et un jour, une mâchoire de singe. De petits singes. Et là, vous avez une grande révolution. C'est 1836. Hein, une grande, 2 décembre 1836. Une grande révolution parce que, contrairement à ce que dit la Bible, ce que je viens de vous dire, dans laquelle l'humain est le dernier arrivant sur la Terre, le dernier jour, hein, avant le repos, eh bien, il existe des singes fossiles. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieux. Donc, l'humain doit être aussi beaucoup, beaucoup plus vieux. Et Larté va passer le reste de sa vie à poursuivre la recherche de l'homme fossile. Évidemment, il arrive à Aurignac, formidable. C'est la réalité des fossiles est démontrée à travers les outils en 59 dans le nord de la France et à Aurignac en 1860. Donc l'homme fossile existe. Donc c'est de nouveau une grande révolution intellectuelle, morale, philosophique, religieuse, psychologique. Vous imaginez, enfin, on n'imagine plus, mais tout d'un coup, l'humanité prend des ancêtres, vous, qui remontent dans un passé immense. Ça change tout. Alors, effectivement, un merveilleux voyage sur la naissance, finalement, et l'évolution de cette science de la préhistoire. Mmh. C'est pas la seule discipline qui émerge à cette époque-là dans ces domaines. Quels sont les autres domaines scientifiques qui sont fouillés, qui sont en évolution, puisque je pense qu'il y a forcément une interaction entre les différentes voilà. sciences pour conduire à savoir. Donc quel autre domaine est-ce que ces connaissances émergent et progressent? Alors, oui, c'est un petit milieu de naturalistes, si vous voulez. Finalement, ils ne sont pas très nombreux. Hein, et ensuite, ils ont des relations entre les différentes disciplines, sont parfois même de la même famille, du reste. Mais vous avez d'abord, premièrement, très important au 19e, un peu au 18e, mais qui se développe beaucoup au 19e, les grands voyages de circumnavigation. C'est-à-dire, parce que là aussi, on n'imagine plus, mais à ce moment-là, début du 19e, on ne connaît pas une grande partie de la planète. Et on découvre des animaux, on découvre des paysages, on découvre des populations. C'est à chaque fois un monde qui s'ouvre. Par exemple, on parlait des singes, mais le gorille est une découverte seulement de 1837. Vous voyez, on ne connaissait pas ça. Avant, y a le fameux débarquement de la girafe offerte en 1820 et quelques, je crois, par, je ne sais plus, c'était... il venait d'Égypte, je crois, je me rappelle plus. Mais c'est une révolution quand la girafe débarque à Marseille et traverse la France après. C'est fabuleux. Donc, vous voyez, on ne connaît pas le monde encore à ce moment-là. Donc, ces voyages sont très, très importants. Ensuite, il y a un peu conséquence de ça, la naissance de l'ethnologie, c'est-à-dire l'étude des populations un peu partout dans le monde. La Société d'ethnologie de Paris, c'est 1830. La Société de géologie, 1830 aussi, vous voyez, c'est là que tout se fait. Après, alors un peu plus tard, voilà, et là on va arriver au cœur de notre sujet hein, en même temps, c'est l'anthropologie. Anthropos, c'est l'homme en grec, hein, ça veut dire étude de l'homme, de l'humain. Et c'est là que ça a commencé à se gâter sérieusement.
une chaire d'anthropologie au Muséum à Paris n'est fondée qu'en 1850. Vous voyez, pile, moitié du 19e. Et donc, toutes ces sciences, plus donc l'anthropologie, plus la préhistoire qu'on appelle paléontologie humaine, hein, au début, tout ça, ça, voilà, ça va travailler ensemble. La Société d'anthropologie de Paris, dont on va beaucoup parler, c'est 1859. Vous voyez, c'est là où on va être dans le bouillon brûlant, quoi, de l'histoire. Alors effectivement, c'est finalement tout ça est très très récente. Et alors il y a une question que je me pose, c'est que toute cette science révèle des nouvelles choses qui étaient inconnues, et le cadre de référence de l'époque, si je peux le dire comme ça, c'est effectivement la genèse, l'histoire. Donc je suppose, j'imagine que comme dans tous les domaines, il y a des sceptiques. Est-ce qu'il y a une opposition qui se fait à ces connaissances-là? Est-ce qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui est mis en cause ou... Alors, je pourrais dire que, même si on ne peut pas rentrer dans les détails aujourd'hui, puis c'est justement le fond du livre qui va sortir, hein, au mois de mars, c'est vraiment ça son propos. C'est, j'essaye d'avoir un petit avant-goût. Ah ouais, c'est ça, voilà, une petite curiosité avant. C'est 30 ans de bataille, quoi. À partir du moment où l'Arte trouve son singe, 1836, donc je vous disais, jusqu'à Cro-Magnon, 1868, c'est la dernière découverte à laquelle il participe, et c'est son fils qui fait les fouilles, Louis Larté. C'est un combat permanent, voilà, contre l'académie, contre l'officiel, c'est une bataille, et il n'a gagné la bataille, et il a aidé d'autres d'ailleurs qui étaient en difficulté. Il n'a gagné lui, mais il n'est pas seul, hein, il y en a d'autres aussi autour, bien sûr. C'est grâce à sa probité, tout le monde savait que c'était un homme profondément honnête. C'est ça qui l'a sauvé, hein, quelque part, parce qu'il y a eu tellement de problèmes que... Voilà. Mais on est allé jusqu'à la censure, hein, quand même, à l'Académie des sciences. On y était. D'accord. Jusque-là. Et on va voir peut-être un peu plus tard que l'Arte fait effectivement preuve d'une grande intégrité. Oui. Et prend des positions courageuses à l'époque. D'où cette question-là. Peut-être avant, comment est-ce que la préhistoire, cette science jeune, est alors reliée à cette étude des races? Comment on fait le lien? Alors voilà. On théorise, quoi. Voilà, c'est le grand sujet, bien sûr, qui est le centre de notre sujet d'aujourd'hui. Alors, je vous disais tout à l'heure que on commençait à mesurer les crânes. Hein. Et puis, ça intéressait un certain nombre de personnes qui ont voulu avancer dans cette prétendument science qu'on va appeler craniométrie, hein, mesure du crâne, craniométrie. Et vraiment, le paradigme de tous ces savants, c'est de trouver le moyen scientifique, donc, qui va justifier une hiérarchisation des populations sur la planète. Et ils sont nombreux. Hein. Vous avez Rhésus en Suède, et Broca en France, qui va beaucoup travailler là-dessus. Même lui, il invente des machines, hein, carrément, pour pouvoir mieux mesurer. Seulement, alors ils vont chercher des crânes dans les cimetières. Il y a l'histoire des Basques, il y a plein de trucs. Et puis on essaye de mesurer, et d'arriver à quelque chose. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'un beau matin, voilà que sortent de terre des fossiles humains. Qu'est-ce qu'on en fait? Où va-t-on les mettre sur cette fameuse échelle où vous avez en bas le singe? Je ne dirai pas, parce que ça était impossible, comment sont classées les populations. Et au sommet, on l'a dit tout à l'heure, l'homme civilisé, soi-disant, blanc. OK. Mais où allez-vous le mettre, cet homme fossile qui sort de terre? Qu'est-ce qu'on va en faire? On a un gros problème avec ça. Donc il faut forcément qui soit complètement arriéré, pas loin du singe, sinon on est drôlement embêté. Parce que la deuxième grande idée, si vous voulez, du moment, c'est l'humanité dans un progrès linéaire et croissant, perpétuel, pour arriver jusqu'à nos jours. Donc comment va-t-on faire? D'autant plus que 1856, c'est la découverte du premier crâne de Néandertal, celui qu'on appelait Néandertal, dans la vallée du Néander. Et il y a un crâne, et puis il y a quelques ossements aussi. Hein. Il n'y a pas que le crâne de Néandertal. Or, pour faire vite, si vous voulez, Néandertal, c'est le crâne ballon de rugby. Et nous, Homo sapiens actuels,
enfin, les sapiens Cro-Magnon et les sapiens maintenant, c'est le ballon de foot. Hein, on va faire vite, si vous voulez, c'est ça. Néandertal, il est comme ça, et Cro-Magnon, il a la tête plus sphérique. Alors, imaginez nos savants du 19e qui se retrouvent avec ce crâne bizarroïde. Forcément, ça ne peut pas être un homme hanté historique normal. Alors, donc, on le qualifie. C'est un idiot, c'est un monstre, c'est un anormal, etc. Et chacun y va de sa formule. Alors que celui qui l'a découvert, Karl Fulroth, il était absolument convaincu que c'était une morphologie préhistorique normale. Mais ils ne sont pas d'accord là-dessus. Évidemment, ça pose un problème sinon. Donc voilà, marqué au fer rouge pour au moins presque jusqu'à maintenant. Non, il y a des travaux qui ont avancé, fort heureusement. Mais comment on a dévalorisé immédiatement les premiers fossiles? Et puis arrive, c'est là où c'est rigolo, et puis arrive, donc 12 ans plus tard, 1868, arrive Cro-Magnon. La fouille de Cro-Magnon à côté des Aisies. Et là, vous avez une série de crânes magnifiques, bien conservés. S'il y en a, la femme, elle a une entaille ici, donc il était violent. Mais bon, en fait, c'est la pioche de l'ouvrier. Bon. Et ces crânes, il y a des os, il y a pas mal d'ossements humains. Et voilà le problème. Sauf que, surprise, Cro-Magnon, il est comme nous. Le crâne, il est pareil. Comment on va faire? On a un problème avec ce fossile. On ne peut pas le cataloguer. Ils sont tous très, très embêtés. C'est l'impasse. On arrive vraiment à une impasse. On ne peut pas le classer. Tellement refuser l'impasse que Broca dit ah ben oui, mais non. Ah non, non, non. Le fémur, regardez bien, il a la section comme le singe. Ah ouais, il fallait bien qu'il trouve quand même quelque chose qui ressemblait au singe sur Cro-Magnon. Donc vous voyez que le problème que posent les fossiles humains préhistoriques, réellement préhistoriques, il met vraiment en face les scientifiques, ils les mettent dans une impasse. Quoi. C'est ça le problème. Alors ce que je retiens, c'est que finalement, cette classification scientifique n'est pas si objective et intègre qu'elle aurait pu l'être, puisque ça sert à asseoir des positions. Vous avez cité Broca, et je vais me permettre d'y revenir dans quelques instants. Oui. La question que j'avais envie de me poser, puisque vous avez cité Néandertal, le site de Néandertal, à ma connaissance, est en Allemagne, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Et donc, est-ce que c'est une pensée qui est européenne, ce courant que vous venez de décrire, ou est-ce que dans les autres pays, il y avait éventuellement d'autres façons de voir, d'autres façons de considérer? Je pense que c'est... oui, il y avait des gens qui considéraient différemment la preuve, l'Arte, Fulroth, mais c'est un mouvement global quand même. Hein. Ce mouvement racialiste, c'est quand même assez européen. Enfin bon, j'ai pas fait l'étude partout, vraiment, j'oserais pas vraiment affirmer, mais c'est dans l'air du temps. Quand c'est même. Dans l'air du temps. Oui, d'autant que vous avez quand même une justification politique, colonialiste, expansionniste. Alors on va peut-être y venir, mais si vous permettez, peut-être justement quand même une question sur Édouard Larté, oui. Qui vient du Gers, qui a franchi les frontières, qui est allé à Aurignac, qui est allé également en Périgord, qui a quand même beaucoup voyagé pour faire ses découvertes. Et lui, il a une attitude qui est finalement... en dehors du courant dominant, lui, ce classement racialiste, c'est pas tout à fait sa manière de penser. Oui, alors c'est très intéressant parce que Larté écrit beaucoup, il publie beaucoup de toutes ses découvertes, mais il ne déborde en principe pas sur sa spécialité. Sa spécialité, c'est la paléontologie. Hein. Quelquefois, il se risque, mais pas beaucoup, pas souvent. Il se risque pas tellement en dehors de vraiment ses spécialités. Mais nulle part, sauf une gravure, on ne trouve d'évocation qui glisserait justement sur ce problème raciste ou racialiste. Je dirais même plus, c'est qu'à la Société d'anthropologie de Paris, qu'il a présidé en plus, hein, il a été président en 69, il va mettre les pieds dans le plat, si je puis dire, mais délicatement, parce que c'est un homme réservé. Hein, c'est pas quelqu'un qui s'affirme à la tribune Larté, c'est quelqu'un de très réservé et timide. Mais il va quand même jeter un pavé dans la mare en posant la question de la civilisation. C'est quoi une civilisation? Sur quoi juge-t-on une civilisation?
Et dans ces textes, on trouve des choses comme ça, où il dit, par exemple, les populations inuites, les appeler comme ça, hein, du Grand Nord, voilà une population civilisée, ce sont des gens qui ne connaissent pas la guerre. Vous voyez, il va sur ce genre de terrain-là, mais pas sur celui vraiment des races. Et puis alors, il y a un truc encore extraordinaire, c'est que dans ces fouilles, que va-t-il trouver en Dordogne ? Très peu à Aurignac, hein, mais en Dordogne, que va-t-il trouver ? Des œuvres d'art. Et ça, c'est magique. Il trouve des pièces gravées, notamment une avec un mammouth qui est très connue, mais d'autres, vous avez des cerfs représentés, des chevaux, des pièces décorées magnifiquement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout d'un coup, tous ces scientifiques et le public prend en pleine figure, si je peux me permettre l'expression, que l'homme préhistorique est un artiste. Alors, ça ne peut pas être un singe quand même. Vous avez même des populations avec une civilisation, vous voyez, et en plus, civilisation particulièrement raffinée avec des œuvres d'art. Oui, parce que du coup, on arrive à l'idée de spiritualité, de conscientisation. Alors, on ne peut pas tout développer dans cet entretien, non, bien sûr. Malheureusement, mais on peut retrouver également vos conférences et vos écrits. Alors, pardon, puisque je voulais quand même qu'on fasse un focus sur Édouard Larté. Oui, puisque tout à fait. Je trouve que c'est toujours intéressant de pointer sur les gens qui ont été à contre-courant de la pensée dominante, qui ont eu des positions courageuses et la sienne l'été. Pour revenir au sujet qu'on allait embrayer tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on cherche alors à étayer des positions politiques finalement avec une science ou une prétendue science ? Vous avez parlé de colonialisme, donc certains scientifiques ou présumés scientifiques tentent d'utiliser leurs découvertes pour justifier des politiques qui sont menées. Oui, alors, enfin, je ne sais pas dans quel sens qui justifie qui, si vous voulez, mais c'est vraiment le courant du moment, les années 1870-80. Par exemple, je n'ai pas retrouvé le document, parce que il fallait vraiment chercher dans mes propres archives, et j'en ai des tonnes à ce sujet, mais il va exister, j'avais photographié aux Archives nationales, il va exister une chaire au Muséum d'histoire naturelle sur les colonies. Vous voyez, donc c'est vraiment. Et puis le muséum, c'est une institution quand même très politique, hein, à ce moment-là surtout. C'est vraiment très, très. C'est les mêmes qui sont à l'académie souvent. Enfin, vous voyez, c'est quand même le cœur de la science. C'est quand même très relié au pouvoir, quoi. Enfin, il faut ajouter que nous sommes en plein Second Empire. Donc, c'est une époque qui pèse avec les décisions politiques du Second Empire. Rappelons aussi que dès 1830, bon, ça c'est pas le Second Empire, hein, c'est bien avant, mais c'est l'invasion de l'Algérie, c'est vraiment une expansion coloniale très importante. Donc Paul Broca avec ses machines, etc., il est dans la mouvance vraiment de son temps, si vous savez bien. Enfin, je ne ferai pas de parallèle, mais à toute époque, il y a des scientifiques en vue plus que d'autres, des courants officiels plus que d'autres. Mais bon, c'est catastrophique à lire les textes de l'anthropologie de Topinard, par exemple, Paul Topinard. Mais c'est affreux, enfin, c'est affreux d'une montée comme ça, d'un racisme, c'est absolument terrifiant, terrifiant. Et c'est ridicule, on arrive à se dire, ah bah oui, il y a une race par village bientôt. Comment vous allez différencier celui qui a les cheveux plus longs, plus courts ? Enfin, je ne sais pas, mais ça devient aberrant, aberrant. Mais tout le monde, mais ça marche, hein, les gens marchent dedans. Oui, et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est réellement une conviction,
en se trompant, mais autre, où c'est, ça ne sert qu'à justifier finalement, entre autres, la colonisation, c'est-à-dire le fait de prendre possession de territoires et de, des richesses de ces territoires, parce qu'on ne colonise pas le désert de Gobi, voilà. Et en se donnant la bonne conscience, ou en affichant la bonne conscience, qui est de, bah oui, mais on leur amène aussi la civilisation, sans nous, ils ne seraient pas heureux. Est-ce que c'est aussi ça Ah ben certainement, oui, certainement. De toute façon, c'est quand même la civilisation dominante, prédominante et conquérante. Voilà, c'est toujours la même. Hein. C'est évident, on ne peut pas le nier. Alors, je crois quand même qu'il est important aujourd'hui, parce que tout ça, ça va quand même donner, arriver au XXe siècle. Et il faut dire que donc la France n'est pas exempte de ces dérives. La preuve, hein, elle, on le voit, elles se fondent là, puis elles vont se développer. Grand pays colonialiste quand même. Oui, mais aussi, on voit bien que ça va arriver, ça. Et on n'a pas parlé, mais on va en parler tout de suite hein, après. Mais on voit bien que ça va conduire aux premières exterminations de populations handicapées. Hein. Et on va comprendre pourquoi après. Voilà, effectivement. Donc on voit bien que c'est politique, enfin. On voit bien que c'est politique. Et après, il y a un autre personnage qu'on va aborder. J'avais juste envie de si vous me permettez, Paul Broca. Je voulais un petit peu, justement, lui faire une petite pique, puisqu'il s'est également illustré sur ses hypothèses scientifiques sexistes, puisqu'il a travaillé, enfin, il s'est fondé sur ses études de volume de crâne ou de crânométrie, je crois que c'est ça le terme consacré, pour tenter de démontrer l'infériorité naturelle des femmes, puisqu'elles avaient un volume crânien inférieur. Donc, je vous laisse peut-être apprécier et peut-être commenter. Apprécier, je ne suis pas très sûre. Enfin, on peut apprécier positivement ou négativement, donc oui, voilà. Je n'étais pas sûre que vous soyez fan non plus. Mais... Oui, voilà, c'est ça. Je ne suis pas forcément très fan. Oui, vous savez, sur les crânes, c'est-à-dire le cerveau, à l'intérieur du cerveau, il y a un crâne. Non, l'inverse. À l'intérieur du crâne, il y a un cerveau. Et c'est une vieille histoire, ça. Hein. On a, je ne sais plus, mesuré le volume du crâne de Descartes. On a Cuvier lui-même a été, disséqué, enfin à la fin de sa vie, autopsié, pardon. Voilà, pour mesurer si les gens intelligents avaient un plus gros crâne que les autres. Enfin, il y a tout ça. Il y a un délire comme ça conséquent. Évidemment, les femmes, elles ont une tête plus petite. Bon, ben. Ouais, mais j'apprécie tout ça pas, pour dire que M. Paul Broca avait des idées. Après, il faut quand même lui rendre justice. Il a aussi démontré des choses justes, en particulier l'ère de Broca, qui s'appelle comme ça, et qui est une partie du cerveau dédiée au langage. Quoi. Voilà. Il n'a pas fait que... Voilà. Des choses. C'est un grand savant, néanmoins. Voilà, bon, après, c'est vrai que de notre 21e siècle, quand on dit certaines choses, effectivement, on se dit, ah oui, quand même, bon, effectivement. Alors, peut-être un autre personnage auquel nous allons arriver, à partir de la question suivante, c'est qu'on est parti du 18e avec une nouvelle définition des races, avec des guillemets à race. Comment est-ce qu'on en arrive aux théories eugénistes qui ont été le germe des pires moments de notre histoire au 20e siècle, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale et de la décennie qui l'a précédée. Oui, c'est ça. Alors, on est parti du 18e, on a vu qu'on est arrivé à une définition moderne par rapport à ce qui existait auparavant. On a vu que s'était installée la systématique, le classement, tout ça, les mesures, etc. Et il y a aussi un événement dont on n'a pas encore parlé. Oui, c'est un événement parce que c'est aussi une révolution morale, psychique, intellectuelle, philosophique et scientifique. C'est le travail de Charles Darwin. Voilà. Darwin, effectivement, avait fait un voyage, lui aussi, de circumnavigation. Et il a publié, il était paléontologue, hein, paléontologue, naturaliste. Et il publie très vite, parce qu'il y a un concurrent, en 1859, L'origine des espèces, en anglais. D'origine, etc. En anglais. Et ce texte, qu'est-ce qu'il dit, ce texte ? Il dit, dans la nature, c'est la sélection naturelle, en fait, c'est l'émergence du concept de sélection naturelle qui est différente de la transformation des espèces que l'on connaissait auparavant. Darwin apporte le mécanisme de transformation des espèces.
C'est ça le cœur de son ouvrage, la sélection naturelle. Et c'est quoi la sélection naturelle? Ça veut dire, vous avez des animaux ici, selon le climat qu'il va y avoir, selon qu'il y ait des prédateurs absolument terrifiants ou pas, selon que vous ayez des mâles qui soient plus séduisants vis-à-vis des femelles de leur espèce, vous allez avoir une population qui va soit se multiplier beaucoup ou au contraire diminuer et ne pas pouvoir se multiplier. Vous avez aussi, par exemple, une rupture géographique, un moment où des populations de faune, d'une faune quelconque, sont séparées. Je sais pas moi, il y a une rivière qui passe, un torrent qui a changé, je sais pas quoi, ou enfin bref, vous séparez des poissons ou des poissons qui sont séparés dans deux mares différentes, par exemple, et à ce moment-là, vous risquez au bout d'un moment d'avoir deux espèces différentes, puis à un moment donné, elles vont plus se croiser, ce seront véritablement des espèces différentes au sens biologique. Donc voilà, ça c'est et ce sont les procédés de la sélection naturelle. C'est ça la sélection naturelle. Darwin a été mal compris, très mal compris en France, d'ailleurs pas accepté pendant très très longtemps en France, et très rapidement, on a récupéré cette proposition, si vous voulez, et on l'a dévoyée. D'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est pas éteint, hein. c'est pas un sujet éteint. C'est un monsieur qui n'a pas une très très bonne réputation, finalement. Mais c'est une erreur profonde, c'est une erreur profonde, d'autant plus que, il faut le dire, Darwin était abolitionniste, donc contre l'esclavage, c'était un humaniste, ce n'était pas du tout un personnage prêt à découper les populations, les peuples, à hiérarchiser autres. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une erreur profonde. Et justement, c'est ça qui va se passer. C'est que son travail va être dévoyé. Et je vais vous donner un exemple, à commencer par sa traductrice, d'ailleurs, française, Clémence Royer. C'est elle qui a fait la première traduction en français en 1862. Donc le texte arrive en français à ce moment-là. Et elle instrumentalise Darwin en ajoutant une introduction, si je veux dire, et un postface après, qui trahissent complètement la pensée initiale du Britannique. Et je vais vous donner l'exemple qui va vous faire comprendre tout de suite ce qu'elle dit et ce que sera le darwinisme social. Elle dit ceci, si vous avez, je vais utiliser volontairement le terme, vous ne parlez pas de peuple, vous ne parlez pas de groupe, vous ne parlez pas d'humain, vous parlez de corps social. Mettons que la France soit un corps social. N'est-ce pas? Nous avons un corps social. Vous avez une blessure ici. Hein, vous êtes coupé, vous êtes fait mal, il y a une gangrène là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez couper. Donc dans un corps social, s'il y a un problème, vous coupez. Traduisez ça, transposez ça en remettant des humains. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne les exterminations du XXe siècle. Oui, parce qu'effectivement, c'est... C'est un raccourci, pardon. Hein. Non, mais ça démontre bien, semble-t-il, puisque c'était la question que je vous ai reposée. Oui. Il y a une interprétation politique, voilà, c'est ça, de la pensée de Darwin, qui a conduit, alors ce que vous avez clairement expliqué, c'est-à-dire le darwinisme social, et puis les théories eugénistes. Mais qui viennent de là. Voilà. Qui viennent de là et qui ont largement servi aux nazis ou tenter de justifier plutôt la Shoah. Voilà. Et puis, on peut quand même dire que toutes ces théories raciales ont souvent été utilisées à des fins politiques et parfois proches de nous, hein, puisque l'apartheid en Afrique du Sud, la ségrégation raciale aux États-Unis, entre autres, étaient quand même fondées sur une pseudo ou supposée infériorité des Noirs. C'est bien ça. Donc, il y a bien un dessein politique là-dedans. Bien sûr. Ce sont des sujets qui demandent, à chacun de faire un parallèle avec nos temps d'aujourd'hui pour y réfléchir. Alors justement, parce qu'on arrive tranquillement, mais vers la fin de cet entretien, la question qui se pose, c'est quel lien peut-on faire entre préhistoire et citoyenneté aujourd'hui? Oui, alors l'anthropologie telle qu'on l'a décrite, heureusement, elle a abandonné cette anthropologie physique catastrophique,
Ça n'est plus du tout, vous discutez aujourd'hui avec des anthropologues, c'est pas du tout ça, hein, heureusement. Bien sûr, il reste des différences, elles sont comme ça, mais l'objectif n'est plus le même. Pour ces sciences-là, on va les dédouaner aujourd'hui quand même. Même si, en ce qui concerne la génétique, il y a quelquefois des... comment dire, prudence ou attention. Il faut réfléchir peut-être aussi, s'interroger parfois. Voilà. Néanmoins, dans notre monde d'aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans d'autres sujets qui ne sont pas les nôtres, mais le monde du 19e, du Second Empire... pourrait peut-être avoir quelques parallèles à voir avec aujourd'hui, peut-être à réfléchir également. Mais pour revenir au cœur de notre sujet, dans l'imaginaire collectif, c'est ça aussi le problème, hein, c'est que dans l'imaginaire collectif, il reste des choses, même si on ne sait plus ce que c'est et on ne sait plus d'où ça vient. Et je voudrais, pour illustrer ça, vous donner un exemple qui me tient à cœur aussi, bien sûr, et qui m'est arrivé très souvent. J'ai fait un certain nombre de conférences sur le dernier livre le précédent livre que vous avez cité, La Vénus de l'Espugue révélée, qui parle de la statuette préhistorique Vénus de l'Espugue, qui est devant vous, magnifique. Voilà, bien sûr, que je vais montrer. Et lors de ces conférences, très souvent, et en toute innocence et en toute naïveté, quelqu'un pose la question à la fin, me dit « Ah oui, mais la Vénus de l'Espugue ressemble à la Vénus Hottentote. » Alors, pourquoi ? Je vais vous dire ça. D'abord, je vous la montre quand même, parce qu'il faut faire honneur à cette petite statuette. En deux mots, la présenter. C'est une statuette, un moulage bien entendu, paléolithique, préhistorique, qui a à peu près 25 000 ans. L'original est en ivoire de mammouth. Elle fait 14 quelques centimètres. Et elle a été trouvée à l'Espugue en 1922. Donc, date à retenir. Vous voyez, entre deux guerres. Hein, 1922. Voilà. Et elle a un physique avec les parties féminines et génitales particulièrement développées, donc au centre de la figurine. Voilà. Voilà. Pourquoi la Vénus Hottentote ? Et d'abord, pourquoi Vénus ? Pourquoi appelle-t-on, expliquez-moi, pourquoi appelle-t-on une statuette préhistorique d'un nom qui correspond à la statuaire antique, à la divinité antique. Oui, la mythologie. Vénus est une déesse romaine, Aphrodite, grecque. Il y a un truc qui va par là déjà. Alors, pourquoi ? Parce que les premières découvertes de statuettes préhistoriques ont lieu à peu près vers 1880. Ce n'est pas celle-là, donc c'est d'autres dans les Landes. Et on trouve des morceaux cassés, mais dont certains ont aussi des formes comme ça épanouies. Voilà. Or, toujours dans notre esprit du 19e où nous étions tout à l'heure, les premiers préhistoriens, pas l'Arte, mais la génération suivante, la deuxième génération, se réfèrent à ces classifications, toujours préhistoriques. Or, qui est la Vénus Hottentote ? Et ça, c'est une histoire terrible. La Vénus Hottentote est une jeune fille esclave qui est née dans les années 1880 et quelques en Afrique du Sud. Et elle a été sous contrat avec un Anglais qui l'a emmenée en Angleterre. Elle avait 18 ans par là. Hein, qui l'a emmenée en Angleterre et l'a exhibée dans toutes les foires et autres lieux publics populaires du moment, à Londres et ensuite à Paris. Cette jeune fille, Sarge, elle a été appelée, elle avait la particularité qu'ont certaines populations dans le monde d'avoir la partie arrière du fessier plus développée que d'autres. Et en plus, par des tissus adipeux qui sont posés, si vous voulez, sous la taille, en fait. Et ces tissus adipeux se développent, en général, au fil des maternités.
Donc cette jeune fille était un peu plus développée que ce qu'on connaissait en Europe à ce moment-là. Donc objet de foire. Elle arrive à Paris et à Paris, elle interpelle aussi nos savants, Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire, au Muséum à Paris, toujours au même endroit, qui sont complètement ébahis devant cette morphologie, cette anatomie. Et la pauvre fille va être déshabillée, montrée à ces gens-là, va subir un examen, je vais dire, à la loupe quasiment de son anatomie, devant, derrière, enfin, y compris, il voulait les parties intimes, enfin, un truc épouvantable, épouvantable. Elle va finir, ils ont écrit après là-dessus, hein, évidemment, elle va finir prostituée, alcoolique, et meurt en 1815, d'une pneumonie dans un bouge autour de Paris, quelque part. Voilà. Donc, cette jeune fille, cette jeune femme, a été ensuite disséquée. Son corps a été moulé. Ses viscères ont été mis dans des bocaux. Et le moulage grandeur nature a été présenté au musée Homme à Paris, puis à la création du musée de l'homme en 1937 au musée de l'homme, et elle est restée au moins un siècle et demi présentée au public. Et ces savants, dans leur moquerie, si vous voulez, l'avaient nommée Vénus au sens péjoratif, si vous voulez, caricatural et péjoratif par rapport à précisément la Vénus antique qu'on disait Callipyge, c'est-à-dire aux belles fesses. Et elle, ça devenait la Vénus Théatopyge. Voilà. Donc, c'est l'image même, cette jeune femme, est l'image même de la dévalorisation dans tous les pires côtés qui soient. J'ajoute, juste pour information, que son corps à elle, a été rendu à l'Afrique du Sud en 2002. Donc vous voyez que l'histoire a mis deux siècles, quasiment, hein, quand même. C'est absolument terrible. Et lorsque, donc, nos préhistoriens trouvent les statuettes, ting, ils font le lien, ah ben c'est comme la Vénus Hottentote. Donc vous voyez que le lien qui s'est effectué en 1880, 1922, ça continue, c'est pour ça qu'elle a été appelée Vénus de l'Espugue. Et c'est pour ça que tout le monde ayant oublié l'histoire, dans une conférence que je fais en 2018, 19, 20, on ramène à ça. Et les gens ne savent plus du tout pourquoi. Donc vous voyez comme ça peut rester et comme ça peut être terrible de ne pas le savoir. Il y a beaucoup de choses qui ont effectivement marqué l'inconscient collectif. C'est pour ça qu'il semblait utile de passer un moment aujourd'hui avec vous pour comprendre la construction de ces modes de pensée et ce qu'il en reste aujourd'hui. Nous approchons de la fin. Un mot de conclusion, le mot de la fin pour vous, Nathalie ? Alors, le premier mot de conclusion que j'aimerais beaucoup dire, c'est une race humaine est un concept à mettre à la poubelle. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de race humaine. Si vous parlez du chien et du cheval, ok, parlez des chevaux, parlez des races de chiens, parce que nous avons affaire là aux effets de la domestication. Vous avez métissé, hybridé des roses, des chevaux, des chiens, des vaches laitières, de ce que vous voulez. Là, oui, vous êtes intervenu pour obtenir différentes races animales. Mais sur l'humain, ce n'est pas possible. Vous n'y êtes pas. Ça n'existe pas. Alors, je suis attristée parce qu'il m'avait bien semblé que le mot avait été évacué du langage courant. Et je trouve qu'il revient beaucoup. Beaucoup de la race humaine. On devrait parler de la race humaine, mais de l'espèce humaine d'une manière générale. L'espèce humaine. C'est plutôt le meilleur terme, c'est bien ça ? Bah oui, ce serait un meilleur terme. Mais il n'y a pas des races humaines. C'est impossible. C'est impossible. Et je trouve que le mot est au détour. Écoutez un peu, vous allez voir, dans les journalistes, dans les écrits, on l'entend beaucoup, je trouve. Beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est pas bon signe, à mon avis. Non, tout à fait. C'est pour.
probablement pour ça que, enfin même certainement pour ça que nous avons souhaité également aborder ce sujet-là dans le cadre des chemins de la République. Voilà, donc peut-être qu'on n'insistera pas suffisamment. La notion de race n'est pas valide scientifiquement. C'est ça. Le scientifique qui est en face de moi qui le confirme. Et nos différences de culture, de couleur de peau, bah, dépendent plutôt de l'endroit où on est né, de la météorologie, de l'ensoleillement, plutôt que du critère d'une hépatitique race. Mmh. Donc Nathalie Rouquayrol, il me reste à vous remercier pour cet échange passionnant, ce voyage, ces éclairages, avec grand plaisir. Donc merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à Vénus de l'Espug également d'avoir fait le trajet du musée de l'Aurignacien jusqu'à l'hôtel du département pour cet enregistrement. Je vous invite à retrouver Nathalie Rouquayrol sur son Facebook, sur son actualité site internet, dans ses ouvrages, y compris celui à paraître très prochainement, où je pense qu'une partie des choses que nous avons pu aborder ici seront détaillées. On parlera notamment de Édouard Larté, et je pense que les chemins de la République vont nous amener à nous recroiser prochainement, puisqu'il y a quelques projets en cours, voilà, mais on peut être sur les valeurs républicaines avec des préhistoriens, c'est fondamental. Donc merci encore infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'est tellement important ce sujet. Merci infiniment. Voilà. Au revoir et à très bientôt.